Bon dimanche avant midi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il est rendu, ben, presque midi, là. Il est 11h35. J'ai pris ça bien relax ce matin. Les gars sont encore partis au bois, fait que c'était tranquille. Je me suis sortie de mon lit à 9h. Je file vraiment pas efficace en fin de semaine. Vraiment pas, là. Même qu'à soir, on va commander du restaurant pour souper parce que hier, ça, j'ai acheté un. Je dis, ça me tente pas encore de passer mon dimanche en cuisine à faire à manger. Là, c'est pédagogique lundi, mardi, donc il n'y a pas d'école à la maison, il n'y a pas de team, il n'y a pas rien. Mon souper, là, ça se peut que Chaton prenne congé, là, je sais pas trop, là, ça va dépendre. S'il annonce pas trop de neige, il va prendre congé. Ben, s'il annonce encore bien de la neige, il va aller travailler parce qu'il fait de la neige. <T'sais>. Donc, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, j'avais dans le projet d'essayer de commencer à m'entraîner. Mais la motivation est pas forte, mais il faudrait, ça ferait du bien, là. J'ai ramassé un peu la vaisselle d'hier. Il me resterait à laver la table parce que la raclette, ça a éclaboussé un peu, là. Il y a du gras sur la vitre. Il va falloir que je lave ça. Fait que j'ai pas vraiment de lunch à faire, à part le mien, pour demain midi, puis celui à Chaton. Puis sinon, je fais du lavage. Des tâches quotidiennes normales. J'ai rien de spécial aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'on se dit qu'il faudrait qu'on regarde les semences à commander pour faire nos semis, comme l'année passée. Partir nos plants de tomates, piments, regarder qu'est-ce qu'on veut mettre cette année dans le jardin. Là, on va le reclôturer encore, puis qu'on va faire les rangs peut-être dans l'autre sens, on va voir. Parce que c'était dans le sens où on les avait mis, on avait de la difficulté à passer vu qu'il y avait une clôture tout le tour, là. Fait que c'était moins efficace. On va voir ça, là. Ça fait 2, 3 ans qu'on a des marmottes ou des petites bébites, là. L'année passée, ça a été la pire, là, qui bouffait nos affaires. Fait que là, on va clôturer en partant pour éviter qu'ils nous mangent nos plants. Là, ils aimaient bien le chou, mais cette année, je veux pas en remettre. On n'en mange pas assez. Puis ils sont venus tellement gros qu'on les perdait, là. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une très belle journée de ce dimanche. Il neigeait, le soleil va sortir. C'est pas trop. Profitez-en. Puis on se rejoindra ça au courant de la journée. Voir ce qu'on fait. Bonne journée!
Chaton est revenu de chez son balade d'aller chercher le Wapiti, et ça a pris toute l'après-midi. Wapiti. Qu'on s'installe pour souper, ça a pas été une grosse journée, à part les gars qui sont allés au bois le matin, là, le reste de la journée, là, ça a été bien tranquille. J'ai parlé au téléphone avec ma mère, fait du divan, Mathis a regardé un film, Félix a joué à des jeux vidéo, j'ai préparé mes affaires pour demain. Puis c'est pas mal tout ce qui s'est passé. Fait que ça va avoir été un petit vidéo du dimanche, ça va être surtout des vidéos de Lego bois. Ah, on a mis l'enfance le matin sur le... Ouais, c'est ça. Fait que ça va être ça. La journée pour... puis vous allez avoir notre samedi, ça va être tout à fait ensemble. Wapiti. Ok, il y a une bulle dans sa tête de Wapiti. Donc moi, je vous souhaite de passer une très belle fin de dimanche, belle fin de Saint-Valentin, hein? Ben oui, ça a fini aujourd'hui à Saint-Valentin. Puis nous, ben, on se reparle bientôt, je sais pas quand. Parce que mercredi, on commence école à la maison, fait que c'est bien des chances que je filme pas. Bye! Peut-être que tu vas falloir que ça... Il va peut-être falloir que tu extériorises certains sentiments. Peut-être. Peut-être, oui. Puis les gars, dites-vous bye! 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 Bye. Presque midi, hein, la heure qui est rendue, et je pense qu'il est pas loin de 11h30. Je suis assise dans mon walk-in, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière, parce que les gars sont en télétravail. Les gars ils sont en école à la maison, comme je vous expliquais là, en fin de semaine. Et Mathis est dans le salon, Félix est dans sa chambre, vous avez vu comment je les ai installés tantôt. Puis disons que ça m'enlève beaucoup de liberté. Je peux pas parler fort, je peux pas faire de bruit, sinon ça les déconcentre. Puis si Félix finit une période puis qu'il est comme en pause, il va déranger son frère, c'est de la gérance. Fait que c'est ça. Mais bon, hein, ça va être ça 5 jours. Vendredi, ils vont le faire chez mes parents parce que là, Mathieu fait des nuits. Fait que là, il pourra pas être là. Puis ma mère, elle était prête à les prendre. De toute façon, elle les a gardés lundi, mardi, puis là, elle va les reprendre vendredi, puis on va voir lundi, mardi prochain, là, qu'est-ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, planification, c'est l'école à la maison, du lavage, faut que je fasse des muffins pour chaton, parce que quand il fait les nuits, il mange plus de muffins. Puis on va aller jouer dehors, il fait super beau, il a neigé, on a du pelletage à faire, puis c'est pas mal ça. J'ai rien planifié vraiment de gros à faire, j'aurais eu de la formation continue, mais hein, j'ai pas mon ordi, ni ma tablette. Donc, ça se passera pas. J'ai une guidoune. J'ai ma grosse guidoune avec moi. Oui.
Donc, c'était ça. Je vais commencer à m'entraîner aussi, mais on verra peut-être en fin d'après-midi. Mais en fin d'après-midi, j'ai jamais vraiment le courage de m'entraîner. Voilà, j'ai une calée aussi. J'ai les deux, bébé. Hein? Petite cocotte ici. Petite cocotte qui fait sa guidoule. Ouais. Bébé. Je suis bien entourée. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un petit coucou. Puis j'espère que vous avez passé un beau début de semaine. Il y a eu une tempête hier. Hein? Les écoles ont été pas mal fermées. Nous, on était déjà en pédagogique, donc ça n'a rien vraiment changé, nous, à notre planification de la semaine. Ouais, Fifi. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée. Puis on se reparlera un peu plus tard au courant de la journée avec les gars. Bon, c'est l'heure de dîner pour les gars. Il est midi pile. Eux autres sont déjà installés avec leur pizza. Dimanche, j'avais commandé beaucoup plus de pizza, hein, le double de ce qu'on mange habituellement, pour qu'il en reste. Donc, ils mangent un morceau. Moi, les miennes sont en train de réchauffer dans le micro-ondes et il en reste quand même tout ça. Si Félix veut une autre pointe ou demi-pointe, puis chaton, puis un autre dîner. Chaton aussi va manger ça en se levant tantôt. De quoi? De la pizza. Donc, on en a pour un petit bout. Après ça, ils ont une heure. Ben, Mathis, il a une heure de team avec des travaux personnels. Puis Félix, il va faire ses devoirs en attendant. Lui, il a fini ses rencontres. Puis ça a bien été. Puis après ça, on va aller dehors un petit peu profiter du soleil parce qu'il fait beau. On va déneiger un peu, laver les vitres d'auto à papa. Oh, puis, regardez ça! La neige qu'il y a. Ben, Félix veut jouer. Le patio, le balcon est vraiment plein de neige et c'est beau soleil. Donc le micro-ondes vient de sonner, je vais manger parce que j'ai vraiment faim. Après-midi. L'école est finie. Il est 2h moins 10. Puis au fond, après-midi, il n'y avait pas grand-chose. Mathis, son travail est fait. C'est son travail individuel qu'il avait demandé de faire. Au fond, c'était ses mots puis ses affaires qu'on les avait déjà faites pas mal, vu que c'était correct. Félix, on a pratiqué ses mots d'orthographe, ses mots de vocabulaire. Puis ils ont pas mal fini. Au fond, là, les profs, ce qu'ils voulaient après-midi, c'est qu'ils aillent jouer dehors. Fait qu'ils sont dehors, en train de pelleter. Moi, j'attends que Chaton il se lève, puis je vais aller laver ses vitres d'auto comme ils voulaient qu'on fasse, mais que les gars n'ont pas voulu faire à date. Ça me surprend. D'habitude, ils aiment ça, je vois que les squeegees. On va y aller tantôt. Là, je me suis pris une petite eau gazeuse pomme-grenade et bleuet. Ma AHA, comme je vous le montrais. C'est là ici. Puis, je vais faire un peu de vaisselle, plier du linge en attendant. Là, j'ai comme pogné un coup de fatigue après-midi, je sais pas pourquoi, là. Peut-être que je me suis couchée trop tard hier. Possible. Puis que le matin, je me fais réveiller tout le temps, là, par... quand il neige, là, les déneigeurs, puis ils passent très tôt, fait que... j'ai la misère à me rendormir après. Fait que j'ai peut-être une nuit de 4-5 heures, là. Ça se peut que ce soit pour ça que je sois fatiguée. Donc, je ramasse mes petites choses, puis je vais aller rejoindre mes gars dehors tantôt. Ah, tu fais! Que tu fais le toit? Thank you.
le pelletage est fait. Ça a fait du bien d'aller dehors, puis de prendre l'air, puis il fait quand même froid, là. J'étais allée mettre du lave-glace dans l'auto à chaton, puis la vis est vite un peu tantôt, pas de mitaine, j'avais les doigts gelés, là. Mais là, le pelletage, le gros est fait. Il reste en arrière, mais en arrière, je suis un petit peu découragée, là. J'ai fait le balcon, le premier balcon, mais après ça, là, je sais plus où mettre la neige. Il y en a beaucoup. Honnêtement, en février, il est fort en neige, là. Je vous disais que je vous montrerais mon arbre l'autre jour, je l'ai même pas fait. Je sais pas si vous allez voir avec le soleil, là, mais... Tu sais, la neige, là, en avant, est rendue aux branches. Puis notre déneigeur, cette année, il nous fait pas une butte. Les autres années, souvent, il nous soufflait ça, une méga butte. Il y a même une année qu'on voyait même plus la rue tellement il y avait de la neige en avant des fenêtres. Mais cette année, il nous fait ça tout égal, fait que c'est bien correct. On est bien contents. Là, on va prendre un petit moment relax, genre, les gars, ils jouent là. Je me demande, moi, si je ferais pas un peu de piano ou de montage. À voir. Notre souper était vraiment très bon. Vous avez vu nos beaux bols burritos. Ça, c'était vraiment super bon. Les gars, ils aiment bien ça aussi. C'est un gros win chez nous, ça. Vraiment bon. Là, ben là, ils sont couchés. Ça a niaisé un peu à ce soir, là. Mathis, il boude parce qu'il veut pas aller dormir chez mes parents demain. Félix, il avait de quoi qu'il gossait dans le nez. Fait que là, il se lâchait pas le nez. Il s'est mis à éternuer. Puis là, quand il se met à éternuer, il arrête plus. Fait que là, c'était super agréable. Fait que là, ma tisane, c'est quoi que je laisse fait? Écorce choco canneberge la soir. Mon eau est en train de chauffer pour la faire infuser. Je pense peut-être pas aller prendre un bain ou m'asseoir au feu ou regarder mes émissions ou faire du montage. J'ai beaucoup de choix. Je sais pas, parce que demain je vais perdre mon ordinateur et au fond, mec, les gars partent. Mais au fond, quasiment toute la journée, c'est les gars qui l'ont. Félix, puis je l'amène chez mes parents pour qu'ils fassent leur école le vendredi. Donc, c'est ça. J'en ai pas mon ordi. Je sais pas, je vais avoir ma tablette. J'ai pas l'ordi. Je vais peut-être envoyer la tablette, en tout cas. Je verrai. À voir pour ça demain. Donc, ça a été une petite journée pas mal relax. Tu sais, j'étais fatiguée. Hein, vous voyez par mes beaux yeux tout petits et pochés et noirs et cernés et tout le kit que je suis vraiment brûlée. Peut-être que j'essaie de me coucher tôt à soir. Beaucoup de difficultés avec ça. Donc, je vous dis à la prochaine. Ça fait plusieurs fois que je vous dis à demain, puis finalement, je ne refilme pas le lendemain. Et je sais pas quand je vais filmer. On verra demain matin comment je me lève, si ça me tente ou pas. Donc, passez une belle fin de soirée. Bye!